dira quelqu'un, il te donnera sa paix. Ouvre-lui ton cœur, il te donnera sa paix. Car il est fidèle, Jésus est fidèle. Toutes mes souffrances entre tes mains, je les remets. Tout ce qui m'a blessé entre tes mains, je les remets. Tu as vu mes peines, tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. Adonai, on m'a bafoué, on m'a rejeté, oh tu as tout vu. Adonai, si je me montre de toi, quand je passe dans le quartier, je suis inconsidéré. Ils me traînent dans la boue, je n'ai plus de valeur. Adonai, aide-moi. Toutes mes souffrances, j'ai mis ma confiance en l'homme, j'ai été déçu. Oh, je remets tout entre tes mains. Je l'ai remis, soulage-moi. Soulage-moi. Toutes mes souffrances entre tes mains. Entre tes mains, je les remets. Entre tes mains, Seigneur, je les remets, libère-moi, oh, libère-moi, 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 car j'ai perdu mes biens, mes amis d'autrefois m'ont tous abandonné. Ils se moquent de moi, je n'ai plus de repères. Adonai, éclaire-moi. Éclaire-moi. Et j'ai été jeté de mon foyer, mon mari a pris une autre, je ne sais où aller. La maladie détruit mon corps, on me dit qu'on ne peut me guérir. Adonai, tribunaux. Je n'ai personne pour défendre ma cause. Entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, je remets tout. Je traîne dans la rue, autant ma famille est riche. Oh, libère-moi. On m'appelle stérile, je n'ai point enfanté. Tout ce qui m'a blessé
entre tes mains, je remets ce que je ne comprends pas. Entre tes mains, je remets ce qui m'empêche de vivre. Entre tes mains, je remets. Oh, toutes mes souffrances, entre tes mains, je remets. Nous sommes rassemblés, Seigneur, pour t'offrir nos vies. Shalom à tous les adorateurs. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez que pendant que nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes aussi en direct sur YouTube, sur la page YouTube de Geneviève Proux. Et parce qu'il y a des adorateurs qui n'ont pas Facebook, qui ont YouTube. Et ils sont connectés et nous sommes aussi sur YouTube. Vous savez que nous sommes en train de vivre des moments merveilleux avec le Seigneur. Alors je dis merci à tous les adorateurs qui ont partagé. Nous étions à plus de 1400 partages. Et je crois que c'est la grâce de Dieu. Alors, il faut continuer de partager. Parce que quand nous voyons nos enfants spirituels qui sont confinés, peut-être que nous-mêmes, nous le serons aussi. Mais nous nous mettons déjà dans les conditions, priant avec eux. Prions pour tout le monde. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. Et nous remettons tout entre les mains de Dieu. Nous reconnaissons, le monde entier reconnaît, que notre Dieu est fidèle et puissant. Nous sommes dans les apparats du RIA. Vous avez remarqué que nous avons décidé de nous habiller dans les tenues du RIA. Pourquoi? Parce qu'au RIA, Dieu nous a parlé. Dieu nous a donné un thème. Le thème, c'est « Tout va bien car Dieu est fidèle ». Et c'est ce thème qui devait nous conduire du RIA 2019 jusqu'au RIA 2020 qui se tiendra. Alors nous nous remettons dans nos apparats pour que Dieu puisse se souvenir encore que nous avons eu un rassemblement et qu'au cœur de ce rassemblement, des paroles ont été données sur la vie de tous les adorateurs. En ce milieu du jour, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur. Nous sommes dans l'attitude du roi Josaphat, parce que ce roi merveilleux nous enseignait quelque chose. Il nous enseignait que lorsque nous sommes devant une situation difficile, situation de mort, situation d'angoisse, une situation où nous ne comprenons plus rien, nous devons avoir une seule attitude. Nous devons adopter une seule attitude. C'est l'attitude de l'enfant qui sait que son père prend soin de lui. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Nous marchons avec le roi Josaphat. Nous voulons, hier, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait entrer dans une grâce excellente par l'action de son esprit. Je te fais un résumé pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de vivre pour ceux qui nous prennent en marche. Nous voulons imiter l'attitude de Josaphat. La Bible dit que des rois, des Ammonites, des Moabites et des Méonites se sont mis ensemble pour décider de décimer Josaphat et son peuple. Quand on vient informer Josaphat, Josaphat a une attitude. Son attitude, c'est qu'il a eu peur. Josaphat a eu peur. Nous tous, nous sommes effrayés. Oui. Mais il va voir une autre attitude. On nous dit, dans sa frayeur, il se tourne vers Dieu. C'est ce que nous allons faire.
Hier, le Saint-Esprit nous a conduits dans une grande louange où nous avons célébré notre Dieu, où nous avons glorifié notre Dieu avant de l'adorer. Et quand nous l'avons adoré, avant de finir notre temps, le Seigneur nous a dit, petit troupeau, n'aie pas peur. Le Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur. Alors, toi qui es connecté, sois tranquille. Nous allons d'abord invoquer le Saint-Esprit. Avec ma fille, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ce soir, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu vois tous ces drapeaux autour de nous. Viens, Saint-Esprit. Les adorateurs habitent dans toutes les nations. Viens nous éclairer. Tu nous vois nous-mêmes vêtus dans cette tenue que tu nous as donnée pour le RIA. Alors nous voulons entrer dans ta présence, pas avec un cœur troublé, parce que tu nous as dit hier de ne pas craindre. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit est vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chante avec moi que tes vives eaux, que tes vives eaux, mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Disons encore que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation, qui trouble mon cœur, qui trouble mes pensées, qui trouble mon âme, mes soucis, mes fardeaux, dis-lui à tes pieds, je dépose. Nos soucis, nos fardeaux, nous les déposons devant ton trône. Les soucis du Ghana, les soucis du Togo, les soucis du Bénin, les soucis de la Côte d'Ivoire, les soucis du Burkina, du Sénégal, du Gabon, du Rwanda, nous les déposons devant ton trône. Hey, ce qui nous empêche de nous élever dans ta présence, ce qui nous empêche de t'adorer, ce qui nous empêche de t'élever, ce qui nous empêche de prier, nous les déposons ce soir devant ton trône. Hey, que tes vives eaux paient, inonde nos cœurs. Qu'un adorateur prie, dit que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Là où nos cœurs n'en peuvent plus, que ton esprit vienne et inonde nos cœurs. Là où nos pensées ne peuvent plus,
parler, à tenir. Oh, viens et agis. Là où d'autres sont confinés dans leur maison, Saint-Esprit, disant que tes vivres sont ensemble. Kore Machakaya Baba Baba. Chantez avec nous. Qui viennent prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mon cœur, qui trouble mon être. Oh, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, nous déposons les soucis de la France devant toi. Les soucis de l'Italie sont devant toi. Oh Saint-Esprit, les soucis du monde entier se trouvent devant toi. Perdons-nous la révélation de ce soir, pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te louer en esprit, en vérité. Que chacun prie et que chacun demande au Saint-Esprit de nous donner la révélation pour la prière de ce soir. Qu'on ne prie pas comme ça dans le vide, qu'on ne donne pas des mots pour les donner, mais que notre prière soit chargée, remplie de la puissance de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne inonder ce lieu où nous nous trouvons. Mais que le Saint-Esprit vienne inonder les maisons là où tous les adorateurs se trouvent. Là où tous les habitants, tous les êtres que Dieu a créés par amour se trouvent. Que le Saint-Esprit batte inonder les hôpitaux. Que le Saint-Esprit éclaire les médecins. Que le Saint-Esprit éclaire les chercheurs. Nous avons besoin d'une adoration véritable. Pas d'un show. Mais nous voulons être dans la révélation de Dieu. Nous voulons entrer dans le cœur de Dieu. Nous voulons saisir ce que le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, adorateur, écoute-moi. Autant notre esprit nous connaît. Si l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Si vous voyez que nous sommes en train d'évoquer le Saint-Esprit, c'est parce que nous savons que lui seul pourra nous orienter sur la vraie prière, la vraie louange, la véritable adoration qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Alors si tu es connecté, partage. Moi je pense à toutes mes filles, il y a certaines qui ne sont pas mariées, qui sont seules dans leur maison confinée. Il y a certaines qui n'ont pas d'enfants, qui sont seules dans leur maison. Je pense à vous tous. Nous pensons à vous. Tous les adorateurs pensent à vous. Mais nous voulons que nos temps d'adoration soient des temps de réma, des temps prophétiques. Nous ne voulons pas inventer des paroles. Nous ne voulons pas dire des choses pour les dire. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, Esprit de connaissance, Esprit de force, nous envahisse. De sorte que toi-même dans ta maison, que tu sois saisi par le Saint-Esprit et que tu puisses toi-même prophétiser sur ta vie. C'est un temps glorieux. Ouvre les écluses des cieux. Que la pluie tombe ce soir. Ouvre les écluses des cieux, Père. Envoie ton esprit sur nous, Père. Esprit de révélation, esprit de force, esprit de conseil, qu'il descende. Descends sur nous, c'est le moment. Les adorateurs sont réunis dans le monde entier. Nous attendons un rhéma de toi, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. C'est le moment, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
toi qui planais sur les eaux alors que la terre était infâme et vide. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Kore machakaya bakonto bo 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 bo. Et dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose-nous. Nous savons que tu es là, oh que ta pluie tombe, Père. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve ce soir. Kore machakarabaso goro bo 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 bo. Saint-Esprit, faut invoquer le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas pressés. Nous dépendons de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nos vies tombent en ruine. Sans toi, je ne sens le flot de ton amour. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, en ce lieu. Viens, Saint-Esprit, dans chaque maison, Saint-Esprit. Nous voulons que ton onction nous remplisse et nous saisisse en ce soir. Nous voulons que ton esprit descende dans nos cœurs, nous saisisse de la tête jusqu'aux pieds, que tout notre être soit inondé de ton esprit, Seigneur. Comme tes apôtres ont été inondés de ton onction, ainsi nous voulons ce soir être saisis par toi, Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit que c'est une promesse et il nous l'a donnée, il a confirmé et exécuté cette promesse. Parce qu'il a fait venir son Esprit Saint sur ses apôtres. Et cela est notre partage. Cela est mon partage. Cela est ton partage. Et le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Le Saint-Esprit peut te saisir là où tu es. Le Saint-Esprit peut te saisir là où tu es. Invoque-le avec tout ton cœur. Et tu verras le Saint-Esprit surgir dans ta maison ce soir. Oui, qu'il et te guider au bout de cette prière. Te conduire dans cette prière. Ouvre les écluses des cieux. Père, fais qu'il pleuve. Ce soir qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Oui, qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Qui pleuve maintenant, Seigneur. Qui pleuve sur la terre, Seigneur. Qui pleuve dans les nations, Seigneur. Qui pleuve, ô Dieu. Tu vois, dans le livre de la Genèse, après le quatrième jour, après avoir créé les étoiles, on nous dit au verset 20, Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se
faufilèrent et grouillaient dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Nous les adorateurs, tous ceux qui sont connectés, nous savons dans la parole de Dieu et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, on nous décrit toute la création. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a toujours vu que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Dieu a créé des grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, et de même toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie, et le peuple, les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, bêtes, petites bêtes et animaux sauvages, et chaque espèce, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes, et il constata que c'était une bonne chose. Toi qui nous suis, je t'en supplie, écoute la parole de Dieu. Dieu constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les hommes, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres de poissons, de la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et de ces petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Là, nous sommes en Genèse chapitre 1er, au verset 26. J'aimerais que ma fille aussi prenne ce passage, Genèse chapitre 1er. Regarde, Dieu a tout créé, il a vu que c'était bon. Je dis que nous sommes à l'heure où tu ne peux pas te battre contre le corona, non. Parce que celui qui est en toi est plus fort que ce qui est en face. L'homme est limité. Dieu a tout créé, Dieu a vu que cela était bon. Quand Dieu t'a créé, toi qui me regardes, quand Dieu m'a créé, moi que tu vois, Dieu a vu que c'était bon. Mais il ne m'a pas créé comme il a créé la bête. Il dit, quand il est arrivé à l'homme, écoute bien dans la version de Louis II. Genèse chapitre 1er, verset 26. Écoute. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les puissants de la mer. Qu'il domine sur les puissants de la mer, les poissons de la mer. Ça veut dire que Dieu nous a créés déjà à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons les maîtres, que nous puissions dominer. C'est pourquoi je dis ce soir, partage. Parce que peut-être que là où tu es dans ta maison, tu ne sais pas que tu es créé à l'image de Dieu. Et qu'en toi, Dieu a déposé une force pour résister à cette situation. Amen. En toi, Dieu a déposé une force pour te tenir devant lui et lui parler. Parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il t'a créé, il t'a donné une bouche. C'est parce que lui, il a une bouche. Il t'a donné des oreilles, c'est parce qu'il a des oreilles. Il t'a donné des yeux, c'est parce qu'il a des yeux. Il dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il dit, créons. Adorateur, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'heure n'est plus au stade où tu vas te dire, tout le monde m'abandonne, personne ne m'aime, Dieu t'aime. Il ne s'agit plus de cela. Il s'agit pour nous de revenir vers notre Créateur. De revenir vers lui.
Nous n'avons pas à courir parce que nous ne pouvons pas lutter contre ce fléau. C'est lui seul qui peut étendre sa main et arrêter. Comme Jésus dans la barque a dit stop à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Amen. C'est Dieu seul qui peut lever sa main. C'est Dieu seul. Alors, j'aimerais qu'on reste vraiment connecté, qu'on partage et qu'on dise à tous les adorateurs, même ceux qui font la sieste, je dis partagez dans les WhatsApp. Partagez partout, dites-leur, l'heure est venue où les véritables adorateurs, pas ceux qui cherchent toujours la prière pour eux, mais les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorer le Père? Comment l'adorer? En étant conduit par son esprit. C'est pourquoi nous avons invoqué le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle qui est le Père. S'il ne nous révèle pas, nous allons danser, nous allons adorer, mais ça n'aura pas d'impact sur notre vie. Or, nous sommes arrivés à un stade où il faudrait que notre adoration encense le trône de Dieu et que le monde entier soit sous le pouvoir et la domination de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, commence à bénir le Seigneur. Mon âme t'élève. Oui, mon âme t'élève. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme t'élève. Toi qui m'as aimé, m'as créé, mon âme t'élève. Mon libérateur, mon âme t'élève. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, mon âme t'élève. Oh mon Dieu, mon Père, mon âme t'élève. Oh Reba Shakaya Basokoto Kobo Kintababa, mon âme. Mon âme t'élève. Tu m'as créé à ton image, mon âme te lève. Mon âme élève le Seigneur. T'élève. Tu as créé ma soeur à ton image et à ta ressemblance. Mon âme t'élève. Que devrais-je te donner pour tous tes bienfaits, grand Dieu? Mon âme. Là, cette petite mélodie, c'est pour nous permettre de nous disposer parce que nous allons nous tenir. Nous sommes en train de tous marcher en esprit vers la cour royale. Mon âme t'élève. Nous arrivons vers toi, grand Dieu, mon âme t'élève. Nous arrivons vers toi, ô puissant guerrier. Mon âme t'élève. C'est toi qui nous as créés, nous t'appartenons, Seigneur. Mon âme t'élève. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, je n'ai pas d'autre roi que toi. Mon âme t'élève. Que tous ceux qui nous rejoignent commencent à bénir le nom de Dieu. Mon âme te lève. Mon âme t'élève. Oh. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Et le psalmiste le dit si bien dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses t'attacher à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as fait moindre qu'un Dieu. Dieu nous a fait moindre qu'un Dieu. Après lui, c'est nous. Tu nous as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as tout rangé sous nos pieds. Tu es digne d'être élevé, ô Dieu. Tu es digne d'être exalté, ô roi des rois.
Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as fixées, je me demande, Seigneur, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Oui, l'être humain mérite que Dieu s'occupe de lui. Parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ah! Bénisse-le, Seigneur. Vous tous, serviteurs du Seigneur, qui avancez vers le trône de Dieu durant ces heures d'épreuve. Oh oui, bénissez-le, Seigneur. Vous tous, adorateurs du Seigneur, qui avancez vers le trône du Dieu vivant durant les heures de cette épreuve. Hey, levons les mains vers lui et bénis son nom, notre Dieu. Oui, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levons les mains, levons les mains, levons les mains vers lui. Bénissons notre Dieu, bénissons-le. Nous attendons que notre sœur leve les mains vers lui. Hey. Ce soir, nous bénissons notre Dieu. Et que le Seigneur soit béni de Sion. Oh, nous levons les mains vers toi et nous te bénissons, oh Dieu, nous bénissons notre Dieu. Que le Seigneur, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre.
avancer sur ce cantique. Nous avançons vers les lieux célestes. J'aimerais que tu sois dans la joie. Je bénis mon Dieu. Que mon Dieu soit béni depuis le lieu où je me trouve. Que le nom du Seigneur soit béni depuis la Palmeraie, depuis la France, depuis l'Italie, les États-Unis. Hey! Oh! Hey! Oh, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, à qui demeurez dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Est-ce qu'il y a des adorateurs pour bouger chez eux? Commence à bouger chez toi. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, à qui demeurez dans la présence de Dieu, à durant les heures de ce jour. Oui, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, et qui demeurez dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Bénissez le Seigneur. Hey, danse-toi, marche dans ta maison. Qui demeurait dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Élevant les mains, levant le vers lui, bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, le Sion unifie le ciel et la terre. Unifie le ciel et la terre. Moi je lève mes mains vers lui et je bénis mon Dieu. Et que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Et je lève mes mains vers lui. Oh, je bénis mon Dieu. Oh, Seigneur, sois béni de Sion, toi qui fis le ciel et la terre. Je lève mes mains, lève mes mains. Que tu sois à la maison, lève tes mains. Je bénis mon Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Moi ce soir je lève mes mains vers lui, car il m'a fait à son image. Toi qui fis le ciel et la terre. Moi j'ai levé mes mains vers lui, car toutes ces choses sont bonnes. Et sois béni, ô Dieu de Sion, toi qui fis le ciel et la terre. Oui, je lève mes mains vers lui, car tout ce qu'il a créé est bon. Oh, mon Père, sois béni de Sion, toi qui vis le ciel et la terre. Je l'aime aimé, je l'aime aimé vers lui. Je bénis mon Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit le ciel et la terre. Voilà, commence à bouger maintenant pendant que la musique passe. Tu lèves la voix, tu lui dis: tu m'as créé à ton image, tu m'as créé à ta ressemblance. Tu as pris le temps de me façonner, tu as pris le temps de former mon cœur, tu as pris le temps de former ma bouche, tu as pris le temps de créer mon corps, tu as pris le temps de me tisser, Seigneur.
Je sais que je suis une merveille à tes yeux. Je sais que toute la terre, tout ce que le monde vit te fait mal. Oh Dieu, je sais que ce soir, tu vas encore étendre ta main. Tu donneras la connaissance au médecin. Tu donneras la sagesse pour qu'il puisse trouver le remède. Seigneur, je te loue parce que tu es le maître du monde. Hey. Oh, bénissez le Seigneur, vous tous adorateurs du Dieu vivant, et qui demeurez dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Oh, bénissez le Seigneur, vous tous adorateurs du Seigneur, à qui demeurez dans la présence de Dieu durant les heures de ce jour. Et je dis lève les mains vers lui, à béni ton Dieu, et que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit le ciel et la terre. Ciel et la terre, oh, levons les mains vers lui, honorons notre Dieu, lui qui sait toutes choses bonnes, que le nom d'Adonai soit loué. Et levons les mains vers lui, bénissons notre Dieu, lui que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui vit le ciel et la terre. En nous levant les mains vers lui, nous bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui vit le ciel et la terre. Il est tout puissant notre Dieu. Victorieux notre Dieu. Excellent est son nom. Puissant est son nom, lui seul mérite la louange. Et il est puissant notre Dieu, oh glorieux notre Dieu. Rien ne peut se comparer à lui, nous voulons le louer. Bénissons le Seigneur. Commence à bénir son nom. Oh Dieu, durant les heures de ce jour, bénissez le Seigneur, vous tous, tous habitants du Seigneur, qui demeurez dans la présence de Dieu, durant les heures de ce jour. Quel que soit où tu es, quel que soit le pays où tu te trouves, prends ton téléphone et commence à louer Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Oh, que vont les mers vers lui, oh, célébrons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Oh, levons les mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Oh, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Commencez à prier pendant que la musique passe. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. D'âge en âge, tu as été toujours fidèle. D'âge en âge, tu as été toujours fidèle. Fidèle est notre Dieu, merveilleux conseiller,
Oh, son amour est incommensurable. Oh, nous voulons l'élever. Je dis fidèle est notre Dieu. Merveilleux notre Dieu. Oh, son amour est incommensurable. Oh, nous voulons le bénir. Lui, rien n'échappe à sa vue. Ni nos souffrances, ni nos peines. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous voulons te bénir. Louons, louons notre Dieu. Oui, célébrons son saint nom. Oh, Dieu, sois béni de Sion, toi qui vis le ciel et la terre. Alors, nous voulons louer notre Dieu, célébrer ce Dieu qui a opéré des miracles dans le monde, ce Dieu qui tient le monde. Le monde est ébranlé parce que l'homme est limité, mais Dieu, lui, n'a pas de limite. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il voit tous ceux qui crient, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'en peuvent plus. Dieu voit tout. Oh! Et je veux te bénir, papa. Oh, je veux te lever, mon roi. Je veux célébrer la puissance de ton nom qui est comme toi, Adonai. Et je lève mes mains vers toi. Toi qui fais la terre. Dieu est capable et il a vu que cela était bon. Il a dit lui-même, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alors le psalmiste va lui dire dans le psaume 8, mais qui est l'homme pour que toi-même tu en prennes souci? Tu le fais moindre qu'un Dieu, quelle est sa valeur? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors quand Josaphat va se retrouver devant ce combat, ce combat si lourd pour lui, ce combat de mort, comme nous sommes dans une situation où le monde entier voit, ne voit que la mort, nous nous mettons devant Dieu pour lui dire, tu es capable de faire, tu es capable de recréer le monde, tu es capable de refaire le monde, tu es capable, Seigneur, de guérir même ceux qui sont couchés chez eux, que les médecins ne veulent pas prendre, tu es capable d'arrêter ce fléau par ta main. Oh! Hey! Tout ce qu'il dit, il le fera. Ah. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers nous. Moi, je garde ma foi en Dieu. Ne m'abandonnera pas, il fera. Il fera. Je dis rejouis-toi, 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 rejouis-toi. Hey. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera. Hey, il fera. Il fera, je suis convaincu. Il fera. Oh, il fera. J'ai la foi, j'ai la conviction qu'il fera. Il fera. Il fera pour nous, il fera.
Dieu pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se répandir. Il fera. Réjouis-toi parce que ton Dieu est fort. Il fera. Yeah, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je suis convaincu. Il n'a pas changé sa parole et oui, amen. Il fera. Hey. Il fera. Il fera. Il fera. Voilà, tu vas dire. Tu vas dire ce que je vais dire. Tu vas reprendre les paroles et tu vas les adresser à toi-même. Mon Père est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oui, je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Alors on va reprendre ensemble et tu vas dire, mon Père est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Mon Père est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Je sais que son nom s'élèvera. Il fera. Ce qui était possible aux hommes sera possible à mon Dieu. Il le fera, il le fera. Il fera. Quelle que soit la difficulté que le monde rencontre, Dieu est capable d'agir, il est capable d'agir, il est capable d'agir. Il fera. Il fera en Côte d'Ivoire, il le fera en Italie. Il fera. Même si tu es seul dans ta maison, il fera. Il fera. Hey! Mon Dieu est le Dieu de l'impossible, il fera. Oh, mon Dieu fera, mon Dieu fera, il fera. Je dis rejouis-toi parce que ton Dieu est fort. Voyez Josaphat, quand il allait devant le peuple, quand il allait sur le parvis du temple, il a dit à Dieu, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu sur la terre? C'est dans ta main que se trouve la force et la puissance. Nous lui disons, c'est dans ta main que se trouve la connaissance. C'est toi qui peux permettre aux hommes de connaître ce qui peut détruire ce virus. C'est en toi que se trouve la sagesse, ô Dieu. C'est en toi que se trouve le miracle, ô Dieu. Ce n'est pas en un homme. Oh, les hommes sont trop limités. Hey. Tu es élevé. Tu es élevé. Élève ton Dieu. Tu es élevé sur le monde entier. Papa, tu es élevé. Et sur le monde entier, tu es élevé. Jésus, oh Jésus, oh. Élève Jésus, Jésus, oh. Nous crions pour ceux qui ne peuvent plus crier. Jésus, oh. Tu es élevé. Tu es élevé.
maison. Commence à le lever dans la nation où tu te trouves. Commence à le lever en France. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Adorateur, lève-toi, c'est le moment. Commence à élever Jésus dans ta maison, dans ton pays. Nous te levons au-dessus de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous te levons au-dessus de toutes les nations. Du Ghana, du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie. Nous te levons au-dessus d'Israël, de la Palestine, oh Dieu. Du Maroc, nous te levons, Seigneur. Tu es élevé, dans ma vie tu es élevé, à Jésus oh tu es élevé, mon Seigneur et tu es élevé, mon libérateur oh tu es élevé, oh papa et tu es élevé, tu es élevé. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, personne. Nous avons fouillé, fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Les médecins ont cherché, cherché. Personne, personne. Ils ont fouillé, fouillé. Personne, personne. Ils n'ont pas reçu, c'est pourquoi nous sommes devant toi. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. Moi j'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai cherché, 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 cherché. Il n'y a vraiment personne comme lui. Eradi Ayemi, Eradi Ayemi, partout d'où n'a matana ni. Eradi Ayemi, Eradi Ayemi, partout d'où n'a matana ni. Jésus Christ, on met sa miyari. A son tout mi, non mi ni won, comment fou. Jésus Christ, on met tu tchas chimi. Eradia yemi, 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 yo. Man tu du na manda nansi. Non mi won, outre moi, nan yi da soise. Jésus Christ, wa yi ventre mou. Jésus a ma men. Many men want to walk on way, but to do the man that I see. Around here, yemi, 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 yemi. Want to do the man that I see. Et je voudrais chanter et chanter encore pour tous ceux qu'il a fait pour nous. Et chanter toujours et chanter de tout mon cœur pour tous ceux qu'il a fait pour nous. Tu es un lit de mort. Jésus-Christ est venu me guérir. J'étais enchaîné dans les liens de servitude. Jésus-Christ est venu me libérer. Il a fait pour moi de si grandes, 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 grandes choses. Je chante pour le remercier. Eradiayemi, célèbre ton Dieu. J'aimerais que tu te souviennes de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Et à partir de cela, on pourra lui adresser une prière. Parce que si je m'approche d'un Dieu et je n'ai pas la confiance, je n'ai pas ma confiance en ce Dieu, et je ne me dis même pas, je ne me souviens pas de ce qu'il a fait comme merveille dans ma vie, je pourrais même danser, mais ne pas croire que ce Dieu soit capable d'arrêter ce fléau par sa main. Aucun homme ne le pourra. Seul Dieu, c'est Dieu qui donnera sa sagesse et la connaissance. Hey. Eradia yemi, eradia yemi yo. Matutu na mata nasi. Wada yemi yo, wada yemi yo. Matutu na mata. Eradia yemi.
Je dis qui me relève de mes chutes. C'est Jésus-Christ. Dans cette situation qui combattra pour moi. C'est Jésus-Christ. Et à qui me relève de mes chutes. C'est Jésus-Christ. Je dis qui combat pour moi. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, hey. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire. Dis mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu pour toutes ses bontés dans nos vies, qu'il reçoive notre louange? Voyez, Josaphat s'est présenté devant Dieu avec tout le peuple en étant dans la louange. Et si tu n'es pas habitué, en ce moment, les véritables adorateurs sont rassemblés. Nous voulons lui dire, reçois, reçois notre louange. Reçois, Seigneur, pour toutes tes bontés, parce que nous voulons d'abord reconnaître que Dieu a été bon pour nous. Dieu a été bon, il a créé le ciel. Il a créé la terre et il nous a emmenés sur la terre. Mais nous-mêmes, nous nous sommes conduits différemment, pas comme Dieu a voulu. Et nous sommes en face d'un fléau. Mais nous croyons que notre Dieu est bon et nous voulons lui reconnaître sa bonté. J'aimerais qu'un adorateur qui se connecte partage en même temps et dit au Seigneur, quand tu partages, c'est une vie que tu relèves. Quand tu partages, c'est l'espérance que tu donnes à un frère. Oh. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses meilleures, Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, ô Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, ô mon Sauveur? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô mon Sauveur? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dis, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô mon Sauveur? Toi qui
qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô mon sauveur? Toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, 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 mon Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dis-lui, reçois, reçois, ô Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Commence à élever son nom. Dis, reçois, ô Seigneur, reçois ma louange. Pour tant de merveilles accomplies dans nos vies, pour tant de merveilles accomplies dans le monde. Oh, Seigneur, je veux te présenter en ce moment toutes les femmes enceintes. Oh, toutes ces femmes qui attendent, Seigneur, de mettre au monde un enfant. Elles ont peur. Reçois la louange. Nous voulons te bénir pour l'enfant que tu as mis dans leur sein. Nous n'avons pas peur, parce que nous savons que ces enfants vont vivre, ô Seigneur. Oh, je veux te présenter, Seigneur, toutes ces femmes. Vraiment, je pense à vous, vous toutes qui portez un enfant dans votre sein. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur de cette situation. Mais je proclame dans le nom de Jésus que tout va bien se passer, comme il a dit. Tout va bien, car tu es fidèle. Je veux penser à tous ces médecins, oh, tous ces infirmiers, tous ces chercheurs qui sont limités, épuisés, qui n'en peuvent plus. Seigneur, sois leur force. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci, papa. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses meilleures, oh Dieu. Reçois ma louange. Hey, toi qui connais nos cœurs, oh Dieu de miracles. Sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Je dis, prends la main de tes enfants. Sauveur, je veux parler à toutes mes filles qui sont seules dans leur maison avec les enfants. Sans papa, prends la main des enfants puis commence à danser. Tous les papas qui sont seuls avec leurs enfants, prenez la main de vos enfants et dansez dans votre maison, parce que ce sont des merveilles pour vous. Que pourrais-je t'offrir, hey, ô mon sauveur? Toi qui as fait tant de merveilles, reçois, reçois, ô Seigneur. Reçois, mon Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dis, reçois, ô Seigneur, reçois ma louange. Ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Commence à bénir Dieu. Louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, oh Dieu. Reçois. Toi qui guéris les malades en ce moment, qui crie à toi, Yahweh, oh. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, oh Dieu.
possible. Reçois ma louange. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh mon sauveur, oh mon sauveur. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh mon sauveur, oh mon sauveur. Commence à bénir le nom de Dieu. Dis au Seigneur, tu as fait de merveilles pour moi. De merveilles pour moi. Tout doucement, que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir? Oh mon sauveur, oh mon sauveur. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Vous voyez, il va dire au Seigneur, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? J'aimerais que là maintenant tu disposes ton cœur. Nous allons parler au Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Le Dieu qui n'oublie jamais sa parole. Josaphat va rappeler à Dieu que la terre de Canaan sur laquelle il se trouve était une promesse qu'il avait faite à Abraham. Tu es en France. Tu es aux États-Unis, tu es en Italie, tu es au Gabon, je ne sais pas où tu te trouves. Dieu a permis que tu y sois. Tu travailles là-bas. Tu as eu des enfants là-bas. Tu es en Côte d'Ivoire, comme moi. Dieu a permis qu'ici tu aies des enfants, que tu te maries, que tu travailles, que tu sois marié ou pas que tu travailles. Dieu a permis que tu aies ton commerce. Et voilà que ce fléau vient pour tout arrêter dans notre vie. Josaphat va dire à Dieu, mais c'est toi qui as promis Canaan à notre père Abraham. C'est toi qui as permis qu'Israël vienne s'installer à Canaan. Adorateur, le moment est arrivé où nous allons rappeler à ce Dieu de l'Alliance ce qu'il est pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a dit, Uria. Le thème qu'il nous a donné, c'était « Tout va bien quand tu es fidèle ». Ton nom est Shaddai, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est le puissant. Ton nom est le victorieux. Ton nom est le merveilleux. Ton nom est le Dieu vivant. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix ce soir, toute langue confessera. Oui, au son de ta voix, toute langue confesse déjà que tu es le Dieu qui garde l'alliance.
Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Il a dit au Seigneur, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait et qui a donné ce territoire pour toujours? Est-ce qu'un adorateur peut parler à Dieu en lui disant, n'est-ce pas toi qui m'a permis d'arriver dans cette nation? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui m'a créé, qui m'a fait venir en Martinique? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a permis que je sois aux États-Unis? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a permis que je sois sur la terre ivoirienne? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a permis que je puisse monter ce projet? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a mis ce projet dans mon cœur? Et voilà, Seigneur, j'aimerais que tu parles à Dieu. Parle à celui qui est capable d'étendre sa main et d'arrêter la situation. Il dit, n'est-ce pas toi qui as donné cela, mon ancêtre, Abraham? C'est toi qui nous as donné Cana, c'est ce que Josaphat a dit à Dieu. Parle à Dieu. Là où tu te trouves dans ta maison seule, parle à Dieu. Là où tu te trouves avec tes enfants seuls, parle à Dieu. Là où tu vois que ton commerce a dû être fermé, là où tu devais rencontrer des investisseurs et tout s'est écroulé, parle à Dieu. Ton nom est Adonai. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Et je dis Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. N'est-ce pas toi qui m'a donné ces enfants? N'est-ce pas toi qui m'a donné ce travail? N'est-ce pas toi qui m'a mis dans cette nation? Dieu qui garde l'alliance, regarde ton peuple apeuré. Dieu qui garde l'alliance, regarde nos cœurs déchirés. Dieu qui garde l'alliance, regarde les adorateurs malades chez eux. Dieu qui garde l'alliance, souviens-toi de ton alliance. Dieu qui garde l'alliance, regarde nos vies devant toi. Tu es le seul qui peut arrêter ce fléau. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Regarde, le monde entier s'écroule. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi, Dieu
à lui, crie à lui, crie à lui. Présente ta maison, présente ton quartier, présente ta fraternité, présente ton église, présente ton pays, présente le monde. Dis à Dieu, tu gardes l'alliance. Oh Dieu, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu fis remplir rentrer Noé dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche, tu as fait pleuvoir sur le monde et tu as détruit la terre. La parole de Dieu dit que tu t'es souvenu de Noé et tu as fait cesser la pluie. Et lorsque l'eau s'est éloignée, Noé est sorti de l'arche. Et Dieu, trois fois saint, tu as dit cette parole à Noé. Comme tu l'as dit dans ta parole, de te rappeler ce que tu as dit. Nous croyons, Père, que ce fléau ne vient pas de toi. Nous croyons que ce fléau ne vient pas de toi. Parce que tu nous l'as dit, tu nous as dit dans ta parole. Tu as dit à Noé, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je te frapperai, je frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que durera la terre, semaille et moisson, froid dur et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Seigneur, tu es le Dieu de l'Alliance. Tu es le Dieu de l'Alliance. Tu as fait alliance avec l'homme, pas Noé. Et tu as promis. Seigneur, que ta main puissante se lève en ce moment où nous t'adorons, Père, pour éloigner ce fléau de la terre. Envoie tes anges, Père. Dieu qui garde l'alliance. Éloignez ce fléau, car ce fléau ne vient pas de toi. Oh Dieu. Reçois notre adoration, Père. Dieu qui garde l'adoration l'alliance. L'adoration des cœurs sincères qui se jettent devant toi. Parce qu'ils n'ont pas de repère. Leur repère, c'est toi. Ils n'ont pas de force. Leur force, c'est toi. Dieu ils n'ont pas de puissance. L'alliance. La puissance, c'est toi. Notre force, c'est toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Père de Jésus. Dieu qui garde l'alliance, nous sommes rassemblés devant ton trône. Dieu qui se souvient de sa parole, nous sommes tous rassemblés devant ton trône. Dieu dont le regard se promène sur la terre. Tu nous vois désespérés. Dieu qui soutient son peuple. Oh Dieu, soutiens ma foi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de Moïse et de Josué. Dieu qui dit et qui l'accomplit. Oh, souviens-toi de nous. Dieu qui m'a emmené en Côte d'Ivoire. Dieu qui m'a créé en Italie. Dieu qui a suscité mon frère au Gabon. Oh Dieu, souviens-toi de ton alliance. Ne regarde pas la méchanceté de l'homme, Dieu. Mais souviens-toi des adorateurs. Oh Dieu d'Abraham, ce soir souviens-toi de nous. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Toi seul peux agir en disant une parole. Nous n'avons que toi seul, Dieu. Toi seul peux repousser ce malheur. Oh, oh, entends le cri de mon âme. Oh, entends le cri de ses enfants dans leur maison avec leurs parents. Dieu qui garde l'alliance, souviens-toi de ton alliance avec Jésus. Dieu qui garde l'alliance, souviens-toi que Jésus est mort pour nous. Dieu, quelle que soit ta colère, que le sacrifice de l'agneau t'apaise. Dieu, quelle que soit ta colère, que le sacrifice de Jésus t'apaise. Oh, 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 oh. La terre comme toi, Dieu si bon, je n'en ai pas vu sur la terre comme toi. Souviens-toi de ta promesse à Abraham, souviens-toi de ta promesse à Israël. Oh Dieu, regarde ce fléau qui nous décime. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour levé. M'a séduit, je me suis donné à toi. Tu as versé ton sang pour nous, pour que le monde soit racheté. Jésus, tu as porté la croix, mon péché, pour que le monde soit racheté. Tu as accepté que tes mains soient clouées, Jésus, pour que le monde soit racheté. Tu as accepté qu'on te crache dessus, Jésus, pour que le monde soit racheté. Non, ne regarde pas nos méchancetés, mais sauve-nous de ce fléau. Ce fléau brise des moyens, des familles, des nations. Des vies sont décimées, des vieillards tombent, se meurent. Oh, souviens-toi de ton sacrifice. Oh, 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 Shema Korobo Sintaba. J'aimerais qu'un adorateur crie au Seigneur. Crie au Seigneur, c'est le moment de crier au Seigneur. Et de lui dire que nous avons confiance en lui. Que nous n'avons que lui seul qui passe dans les hôpitaux pour guérir. Les médecins sont submergés, ils n'en peuvent plus. Qu'ils traversent les rues, qu'ils traversent les quartiers, qu'ils traversent les contrées, qu'ils traversent les villages. Oh. Dieu qui n'a pas son pareil, Dieu qui n'a pas son égal, la source est intarissable. Oh, oh, oh Dieu, torrent intarissable d'amour,
Oh mon Dieu, qui ne revient pas sur le péché de l'homme. Dieu d'Abraham et d'Isaac, Dieu de Jacob et de Moïse, à tes pieds nous sommes, nous nous jetons à tes pieds, car nous n'avons que toi seul. Tu es puissant, tu n'as pas ton pareil. Tu es puissant, Dieu, tu n'as pas ton égal. Si tu dis seulement un mot, ce fléau s'arrêtera. Si tu dis seulement un mot, l'ombre de la mort s'arrêtera. Si tu tends seulement ta main, l'ombre de la mort s'arrêtera. Si tu dis seulement un mot, en France, en Italie, en Espagne, tout s'arrêtera. Dis seulement un mot. Oh, Remachakaya Basokotokorobobobobo. Tu as dit quand tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas parce que je serai avec toi. Seigneur, nous sommes des milliers connectés. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en ce soir, en ce dimanche, jour qui t'est consacré, ce sont nos cœurs que nous ouvrons devant toi. Oh, toi seul peux tout. Oh Dieu, toi seul peux tout. Nous ne cherchons pas à savoir comment ça a commencé, par qui. Mais nous disons que toi seul peux tout. Toi seul Dieu peut guérir. Toi seul Dieu peut relever. Toi seul Dieu peut consoler. You are Yahweh, hey, hey. You are Yahweh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh. Alpha and Omega, I sing, you are Yahweh. Peux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu peux te coucher face contre terre, tu te couches face contre terre. Mais tu cries, tu lui dis, c'est toi qui es le commencement et la fin. Tu es Yahweh, tu es le commencement et la fin. Rien ne peut se décider dans le monde. Le monde n'appartient pas au mal. Non, c'est toi qui as formé le monde. Tu as dit que le monde soit et le monde fut. C'est toi qui as fixé les étoiles. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. Qu'un adorateur le dise, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh. Alpha and Omega, tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, passe dans les maisons, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Dans les maisons, Seigneur. Passe dans les rues, Seigneur. Passe, oh, passe dans les nations, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es puissant, 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 puissant, tu n'as pas d'égal, tu es puissant. Toi qui es en train de relever des vies en ce moment, Seigneur, donne l'intelligence et la connaissance aux médecins, aux scientifiques. Tu es puissant, tu es puissant. Que chaque adorateur dans sa maison crie qu'il est puissant. Dans ta maison, lève les mains, dis-lui tu es puissant. Dans ta maison, dis-lui tu es puissant. Je suis agenouillé devant toi parce que tu es puissant. Parce que c'est toi qui m'as fait. Si toi tu ne me relèves pas, je n'ai pas la force de me relever. Je suis seul dans ma maison confinée. Je ne sais pas plus juste combien de jours. Je n'ai peut-être plus de provision. Mais tu es puissant, mon Dieu, pour arrêter ce fléau. Tu es puissant, tu sais puissant. Tu es puissant. Oh, tu es puissant, puissant, tout puissant. Tu es puissant, Seigneur puissant, tout puissant. Oh, victorieux, victorieux. Victorieux, victorieux est mon Dieu. Oh, victorieux, victorieux, victorieux. Kintaraba sherebo santa baba baba. Victorieux, victorieux, victorieux. Victorieux, victorieux est mon Dieu. Victorieux, victorieux est mon Dieu. Kenterebo shakaya basunto bo 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 bo. Remakai biliba kontoro bo 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 bo. Seigneur, apaise les cœurs troublés, angoissés. Seigneur, Dieu de paix.
Korema aba usente le ba shekere ba ba ba. Rema konte le bebebebebe. Seigneur, le monde s'arrête. Tu n'as pas créé le monde pour qu'il puisse s'arrêter. Tu es le seul Dieu. Tu es le puissant. Victorieux est mon Dieu. Tout puissant est mon roi. Oh merveilleux est mon sauveur. Oh excellent est mon papa. Oh Dieu d'alliance, Dieu qui tient son alliance est mon papa. Oh il n'a pas changé. Il te visite en ce moment, il te donne sa paix. Non, il n'a pas changé, il te rejoint dans ta souffrance et te donne sa guérison. Non, mon Dieu n'a pas changé, en ce moment il te rejoint et il te dit, sois calme. Il est vivant. Jésus est vivant, oh, yeah, il est vivant, ah, il est vivant, il te redonne sa vie, sa confiance et son amour. Ce qui était possible à toi, impossible à toi, Dieu le rend possible en ce moment pendant que je parle. Ce qui était impossible, je prophétise. En son nom, tout devient possible. La terre tournera. Je vivrai, je raconterai les merveilles de mon Dieu. Parce qu'il est fidèle. Je vivrai, je raconterai les merveilles de mon Dieu. Parce qu'il est puissant. Tu vois, pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'élever le Seigneur, ce que je reçois dans mon cœur, c'est qu'il y a des gens qui vivent ce direct pour la première fois et qui veulent donner leur vie à Jésus. Dis au Seigneur, prends mon cœur. Voici mon cœur, tu peux entrer Jésus. Et ces personnes, c'est la première fois qu'elles se connectent. Et elles sont tellement touchées par ce temps que nous sommes en train de vivre et ont décidé de se donner à Jésus. Jésus est prêt. Jésus veut entrer dans ton cœur. Ce désir que tu as exprimé ne vient pas de toi, c'est le Saint-Esprit. Alors dis, Seigneur, entre dans mon cœur. Prends dans mon cœur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Quand bien même tu es confiné, je veux te dire que tu peux tout recommencer avec Jésus. Parce que je le sens fortement dans mon cœur. Alors je veux chanter ce cantique pour toi. Parce que tu veux faire l'expérience de ce Dieu merveilleux, de cet ami fidèle. Et je le sens fortement dans mon cœur. Pendant que nous sommes à genoux, que chacun bénisse le nom du Seigneur. Tu peux naître de nouveau, je t'assure. Jésus a dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Il dit, ça ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais partout là où tu te trouves, toi qui veux donner ta vie à Jésus, pose la main sur ton cœur parce que je le sens fortement. Tu pourras m'écrire en inbox après. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger.
sentais vraiment ce désir de revenir à Jésus parce que ce moment de prière t'a touché. Mets ta main sur le cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et là, pendant que tu es dans ta maison, tu reçois Jésus. Jésus veut être ton ami. Tu as dit, Seigneur, je veux t'expérimenter, viens dans ma vie. Et le Seigneur est là avec toi. Tu peux naître de nouveau. Toute chose deviendra nouvelle dans ta vie. Et pourtant, tu es dans ta maison, mais tu sens qu'il y a quelque chose comme... comme si ta maison était éclairée. Comme s'il y avait un vent qui soufflait dans ta maison. Jésus est là avec toi. Tu peux recevoir la paix pour tous tes péchés passés. Car Jésus t'a racheté. Tu peux recevoir la paix. Tu peux recevoir la paix avec Jésus pour berger. Avec Jésus couvert. Seigneur, merci pour tous ces frères et sœurs qui, pour la première fois, se sont connectés à notre temps d'intercession. Merci pour ceux qui ont désiré te rencontrer. Tu as tendu ta main, tu es là avec eux. Ils sentent comme un vent qui souffle dans leur maison. Et pourtant, ils sont confinés, mais ils sentent une paix profonde parce que tu es là. Le bon berger est là. Ton Seigneur est là. Ton ami est là. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Maintenant, le faible peut dire « je suis fort ». Le pauvre peut dire « je suis riche ». Car en cet après-midi, Dieu a fait de grandes choses. Il y a des âmes que Dieu a retrouvées. Il y a des vies que le Seigneur a relevées. Père, je veux te rendre grâce pour le sacrifice de Jésus. Pour le sacrifice de Jésus. Merci, commence à dire merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ. Son fils, merci. Dis merci au Seigneur. D'un cœur reconnaissant. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, toi, voix saint. Merci, car il a donné. Car il a donné. Jésus-Christ, dit Jésus-Christ, son fils, il a fait de grandes choses. Il a relevé des vies ce soir. Il a restauré des vies ce soir. Pour moi.
merci. Alors, j'aimerais dire quelque chose à tous les adorateurs. Nous sommes dans une marche. Nous voulons adopter l'attitude que Josaphat, le peuple de les Judéens et le peuple de Jérusalem ont adopté devant Dieu. Nous marchons, mais j'aimerais que ce toi que tu reprennes le direct, que tu le partages, que tu invites d'autres adorateurs. Parce que demain, nous allons nous retrouver à 17h30. Pourquoi 17h30? Parce que nous avons des frères qui travaillent pour le moment. Et à 17h30, nous serons en direct. Parce que nous allons élever le nom de Dieu. C'est un talent que Dieu m'a donné. Et ce talent, je le mets au service de Dieu. Pour vous aider, que vous soyez confinés, que vous soyez... Peut-être que nous aussi, nous le serons bientôt, peut-être. Mais même n'étant pas confinés, on ne vit pas. Mais nous savons que Jésus a vaincu le monde. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 17h30. N'oubliez pas que le cantique « Libère-moi » est disponible sur YouTube en lyrique. Chacun doit prendre ce cantique, le partager et vivre, prendre son temps de guérison intérieure. Parce que moi, c'est dans la présence de Jésus que j'ai été guéri. C'est en étant au Saint-Sacrement, en adorant Jésus dans le Saint-Sacrement, que j'ai été guéri de mes blessures. Ce que tu entends, c'est le fruit d'un cœur qui a été guéri, mais un cœur qui a vécu des réalités. Que ce ne soit pas comme ça une vidéo pour toi, mais que ce soit un cantique de prière pour toi. Parce que l'heure est arrivée où tous les adorateurs